Bienvenue à Radio Boréal. Radio Boréal. La petite émission construite, produite, écrite et enregistrée par les élèves de l'école Boréal. Ah ouais, c'est une école française dans les territoires du Nord-Ouest. Cette semaine, au menu, plusieurs bandes publicitaires provenant des élèves de 5, 6, 7, 8 et plusieurs lectures virtuelles qui ont été enregistrées cette semaine passée en utilisant, oui, nos fameux Chromebooks, les appareils de travail, certainement, mais ils nous permettent de faire des choses magiques. Allons-y! Hola les amigos, c'est Kerry, Daphne, Gina. Est-ce que tu veux maudire tes amis ou une solution pour toi à chez les Demon Scrunchy? C'est une nouvelle façon de s'exprimer tes sentiments à tes amis. Si tu es fâché à tes amis que tu veux quelque chose de mauvais arrive, le scrunchy rouge va les maudire. Tu peux acheter le Demon Scrunchy dans n'importe quelle couleur pour n'importe quelle sorte. Par exemple, si tu veux acheter le scrunchy qui va faire tomber tes amis. Si tu veux acheter le scrunchy orange, ça va embarrasser tes amis en avant de tout le monde. Il y a plein d'autres couleurs et de sang. Si tu veux acheter, appelle-le 1-666-666. Et ça coûte juste 6,66$. Avec une bonne tasse de thé, des amis, des compagnons, on se réchauffe le cœur. On peut discuter, on peut échanger, on peut communiquer. C'est le paradis autour de cette tasse de thé. Bon, les élèves de 7-8 ont pensé que le temps du thé, le tea time, pour ainsi dire, serait une occasion idéale pour faire un peu de discours. Gossip, comment dire? Des rumeurs? Non, plutôt des histoires, plutôt... Comment l'appeler, comment l'étiqueter, je ne sais pas. Mais c'est de la poésie et j'aime bien ça. Écoutons les élèves parler de ce qui se passe imaginairement à l'école Boréal. Allons-y. Bonjour, c'est Cammy. Daphne. Gina. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Hunter! Bonjour. Aujourd'hui, on fait le titre. Gina, est-ce que tu as vu M. Richard l'épicerie? Il a acheté du lait. Oh my god, vraiment? Yeah. OMG. Est-ce que t'as vu Sally? No. Sally a porté des souliers. Pour un brun. OMG. Jennifer Hunter a porté des souliers gris avec des pantalons bruns qui achetaient du lait. Gina, j'ai été vu à un marché avec Jerquavis III a porté mon scrunchie. Jerquavis III est mon amoureux. It is so on! J'ai allé avec Jacquemus à l'Arena. Jacquemus et moi, on est déjà allé à l'Arena en premier. Il a acheté moi de nourriture. Jacquemus est moi le best. Non, moi! Non, moi! 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 Sign Dirt. Gina et Cammy à des lambda césure. OK. Merci pour les m'écouter. Bonjour, mon nom est Daniel. Je suis le directeur de musique cette semaine. Je compose les chansons de Radio Boréal qui est comme des jeux vidéo par Waterflame. Il est vraiment bon et j'aime ses musiques. Moi, je fais des chansons sur online sequencer et sur un site que j'ai trouvé. Je sais comment faire du programming de jeux vidéo et j'ai utilisé les musiques de Waterflame pour mes jeux vidéo. Dans 2 ans, je vais faire des vrais jeux et je vais le mettre sur Steam. Mais pour l'instant, je fais des jeux sur Roblox. Je suis aussi le chef de Tsar Incorporation. Le vrai nom de Waterflame est Christian Krogsvold. Voici une chanson que j'ai choisie pour aujourd'hui. Le nom est Electroman Adventures.
Moi, je fais une jeu vidéo qui s'appelle The Laboratory, le laboratoire en français. Et c'est un jeu que je suis en train de faire. Je vais laisser juste 5 personnes pour test le Alpha Access. Le Beta Access va être pour tout le monde et ça va être $10 en 2022. Je vais le mettre dans Steam et ça va être juste dans un ordi et presque toutes les consoles. Quand la version 202 sera sortie, The Laboratory sera dans les électroniques mobiles. Merci pour... merci. Mon nom est Daniel Chichery et je vais te montrer la chanson du thème. Le coin de lecture à l'École Boréale, c'est un coin assez occupé. La semaine passée, des élèves de la 5e, 6e, 7e et 8e année ont participé à un événement virtuel ici à l'école. Ils ont enregistré, présenté des livres jeunesse, de la littérature pour les jeunes, des albums, des bandes dessinées, des histoires. Et par la suite, on les a mis sur une plateforme Google Drive, pour être spécifique, afin d'être consommé par la population étudiante de notre école. On en a plein d'extraits. En voici quelques-uns. Bonjour, mon nom est Avery et je vais te lire les règlements de classe. Dans ma salle de classe, il y a des règlements à suivre. Je pense que chaque classe devrait avoir des règlements à suivre. Au début de l'année, nous avons discuté ensemble avec le professeur pour établir les règlements de classe. En français, par exemple, on doit faire un effort pour toujours parler en français dans la classe. C'est un règlement à suivre. On doit aussi écouter à la personne qui parle. On ne peut pas parler et bien écouter à la même temps. On doit aussi lever la main quand on veut répondre à la question du professeur. Quand on lève la main, le professeur nous invite à parler à toute la classe. On ne doit pas partager de la nourriture avec les amis de classe. Si tu ne manges pas quelque chose, tu le rapportes chez toi. On doit toujours porter les souliers lorsqu'on est dans sa salle de classe. Des fois, il faut vite sortir dehors. On est tous d'accord que les règlements nous aident à être respectueux envers les autres et à mieux travailler. Les règlements. Est-ce que tu as des règlements similaires dans ta classe? En as-tu d'autres? La fin. Bonjour, je m'appelle Dagenet.
Aujourd'hui, j'ai écrit une histoire avec mon ami Francis. Les aventures du bocal. Chapitre 1. Il était une fois un petit poisson qui s'appelait bocal. Il adorait explorer, mais son bocal était mini et il avait un capuchon dessus. Souvent, il jouait avec son amie Dina. Dina était un poisson ange et Bocal était un poisson clown. Il était triste dans son petit bocal et voulait aller dans un vaste océan. Elle avait toujours faim et elle avait trop peur d'explorer car quand elle était petite, elle avait presque tombé dans la bouche du chat. Bocal avait 3 ans et Dina avait 1 an et demi. Elle voit que Bocal n'est jamais, jamais, jamais allé dans un vaste monde. Il avait aussi un chat qui voulait toujours le manger. Un jour, Bocal avait un plan pour partir de son bocal. Son plan était de demander au chat d'ouvrir son bocal. Chapitre 2. Il a demandé au chat, mais le chat lui a regardé dans une bizarre de façon comme s'il voulait le manger. « Ouvre mon bocal !» crie alors Bocal. Miaou! Le chat s'attaque et ouvre le capuchon du bocal. Ensuite, le chat lance Bocal dans sa bouche. Bocal! Crie Dina. Elle saute dans la bouche du chat. Bocal bloque la gorge du chat. Soudain, le chat crache Bocal et Dina hors de la maison. Wouah! Dans le prochain épisode, les deux prochains chapitres vont apparaître. Alors, au revoir! Bonjour, mon nom est Ariana, je veux lire Dans la jungle. Dans la jungle, on trouve le tigre. Le tigre est puissant. Elle est intelligente, c'est aussi un animal en voie de disparition. On chasse le tigre parce qu'il est dangereux pour les humains. Dans la jungle, on trouve des serpents. Il y a toutes les sortes de serpents dangereux. Et d'autres qui n'en sont pas, il faut se méfier des serpents. Dans la jungle, on trouve la panthère. Cet animal puissant est un excellent chasseur. La panthère est bien camouflée et elle attend sa proie sans faire le bruit. Dans la jungle, on trouve le toucan. Le bel oiseau est reconnu pour son bec. Extraordinaire. As-tu jamais vu un toucan quelque part? Dans la jungle, on trouve le perroquet. Il y a de différentes couleurs de perroquets, pouvant faire pas mal de bruit.
Dans le jungle, on trouve des fourmis. Les fourmis sont toujours à la chercher de quelque chose à manger. Quand tu vois un fourmi, il y en a souvent d'autres pas très loin. Dans le jungle, on trouve des papillons. Il y a extrêmement des papillons différents. Ils sont attirés des jolies fleurs. Dans la jungle, on trouve des singes queers. Ils passent leur temps de sécurer en haut des arbres à sauter une branche après l'autre. Dans ces arbres, ils trouvent beaucoup de fruits, de noix et des insectes à manger. Dans la jungle, on trouve des grenouilles. Il y en a très petits qui sont camouflants, comme sur des feuilles. Dans la jungle, on trouve des fleurs. Le buisson des chiens est la nourriture pour les animaux et les insectes. Vocabulaire. Camouflé, extraordinaire, la grenouille, aimant, la jungle, magnifique, merveilleuse, la panthère, le papillon, le paroquet, le serpent, le singe et le toucan. Bonjour, mon nom est Ariane, je veux lire l'eau. L'eau est partie dans notre vie. La neige tombe sur les sommets des montagnes. Pendant l'hiver, la neige reste là en forme de glace. Au printemps, la glace commence à fondre. L'eau qui coule forme un petit ruisseau. Ce ruisseau descend la montagne. Le ruisseau émet l'eau à une rivière. La rivière est plus grande qu'un ruisseau. La rivière continue jusqu'à un lac. L'eau reste dans le lac pendant un bon moment. Dans l'autre côté du lac, on fleur vraiment à l'eau sortie du lac. L'eau continue à se déplacer. L'eau est transportée par le fleur jusqu'à l'océan. Là, l'eau se mélange avec l'eau de l'océan et devient de l'eau salée. De l'océan, l'eau retourne dans le ciel par évaporation, l'évaporation. C'est quand l'eau se transforme en vapeur et monte dans le ciel reste dans l'océan. Vocabulaire. L'eau, l'évaporation, la glace, la lac, le lac, la neige, l'océan, la rivière, le ruisseau, la vapeur. L'eau. Nom du mot. Dinosaures, faites par Nicolas Audelad. 19 dinosaures. 10. 10 vélociraptors marchent à grands pas. Et un prédateur les menace. 9. 9 dinosaures se plaisantent. 8.
8 herbivores mâchouillent de l'arbre. 7. 7 parasaurolophus se promènent. Et qu'est-ce que se vole au-dessus d'eux? 6. 6 ptérodactyles planent dans les airs. 5. 5 Deinosuchus sourient à belles dents. 4. 4 carnivores rugissent. 3. 3 dinosaures qui se dressent sur leurs pattes arrière. 2. 2 tyrannosaures s'affrontent. Un stégosaure s'avance d'un pas paissant. 0. 0. Aucun dinosaure. Il n'existe plus, voyons. Et maintenant, dans la classe de prématernelle et maternelle de Madame Gabrielle, on fait de la musique. On fait de la musique 3 fois par semaine. On devrait faire plus de technologie, mais on fait de la musique. Bon, écoutons ce qui se passe ici. C'est de la folie un peu, mais c'est bien amusant. Maintenant, les mains sur les genoux, les mains sur les pieds, les mains sur la tête, les mains sur les épaules, les mains ensemble, les mains à côté. Wow! OK, on est prêts. Donnez-vous de l'espace. Il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un panier. Les pommes faisaient rouli-roula. Les pommes faisaient rouli-roula. Stop! 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un panier. Les pommes faisaient rouli-roula. Les pommes faisaient rouli-roula. Stop! 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Okay, il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Encore! 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Z. Maintenant je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec les pieds à la mode. On les plante avec les pieds.
Et oui, c'est la fin de notre 5e épisode de Radio Boréal. Radio Boréal. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez envoyer un email à eb@commercialcsfno.com. Bon, à la prochaine fois et merci de votre écoute. Bye!